vais vous montrer comment faire le pain viennois. C'est un pain qui se trouve entre la baguette classique et la brioche. Voici comment on fait. Pour la recette, vous allez avoir besoin de 500 g de farine, 10 g de sel, 30 g de sucre, 25 g de levure, 250 ml de lait, 50 ml d'eau, un œuf et 100 g de beurre. Mélangez tous les ingrédients sauf le beurre pour en faire une pâte. Maintenant, pétrissez la pâte en la repliant et en la pressant avec la paume de la main. Quand la pâte est lisse, incorporez le beurre. Maintenant que la pâte est prête, laissez-la fermenter pendant une heure. Pesez la pâte en 5 morceaux d'environ 200 g. Boulez les morceaux de pâte en la tournant et en mettant les bords en dessous. Puis, laissez reposer 15 minutes. Pour façonner la pâte, vous allez la retourner et l'écraser légèrement. Puis la plier à moitié de chaque côté en collant les bords. Ensuite, la replier et coller chaque bord. Enfin, allonger la pâte. Pour tailler, utilisez un ciseau ou utilisez une lame de rasoir et attendez une heure et demie. Préchauffez le four à 220 degrés, dorez les pains viennois et quand le four est chaud, les faire cuire pendant environ 15 minutes. Et voici les viennois cuits. Ils sont pas mal. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire ou abonnez-vous. Si vous voulez me suivre dans les réseaux sociaux, dans la description, j'ai mis le lien de mon blog, d'Instagram et de mon Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.